Bonjour et bienvenue au cœur des chroniques d'un démonologue. Dans cet épisode, je vous plonge dans l'univers de la démonologie, qui est l'étude des anges déchus que nous appelons couramment les démons. Cette étude consiste principalement à les identifier, à les répertorier, à établir une hiérarchie complète et détaillée des ordres démoniaques, mais également à étudier leurs fonctions, leurs pouvoirs et leur manière d'opérer dans le monde. De manière générale, le démonologue est amené à se servir de ses compétences afin de discerner certains signes ou symboles qui peuvent potentiellement se cacher derrière la manifestation de certains phénomènes paranormaux. Concernant les études dans le domaine, les outils à partir duquel le démonologue peut émettre ses thèses sont nombreux. Récits religieux, ouvrages ou divers traités, archives ou documents historiques, témoignages et légendes urbaines, vous constaterez que les sources ne manquent pas et que leur fiabilité peuvent parfois mettre certaines hypothèses en doute. Certains théologiens ou religieux tels que saint Thomas d'Aquin ont tenté durant leur époque de nous témoigner l'existence de ces esprits diaboliques au travers d'ouvrages ou de manuscrits. D'autres savants comme Jacques Collin de Plancy par exemple nous apportent des informations plus détaillées sur les démons, bien que s'appuyant davantage sur les mystères de l'occultisme, de l'ésotérisme ou de la cabale. Pendant certaines périodes, des histoires de sorcellerie ou d'autres types de rumeurs pullulaient, ce qui remettait fréquemment en cause les divers traités de démonologie qui étaient déjà en vigueur. Par la suite, et surtout après la parution du célèbre Malleus Maleficarum, des chasses aux sorcières vont alors avoir lieu un peu partout en Europe et conduiront des milliers de personnes, souvent innocentes, au bûcher. Pour tenter de conjurer le mal, les autorités de l'Église romaine avaient décidé d'instaurer une juridiction qui porterait le nom d'Inquisition. Durant les siècles et selon les traditions, la démonologie fut délaissée et les démons tombèrent alors dans l'oubli. Durant l'histoire contemporaine, elle reprit peu à peu de l'importance grâce notamment à la culture populaire ou au cinéma, mais également aux différentes pratiques occultes telles que la nécromancie ou le spiritisme, qui deviennent malheureusement depuis les années 70 une tendance populaire. Chasse aux fantômes, planche Ouija ou encore médiumnité, tous les moyens sont bons pour ouvrir des portes à des entités contre lesquelles nous ne pouvons malheureusement pas grand-chose, bien que nous sachions qu'elles soient révoltées ou symboles du mal. Les différentes autorités religieuses déconseillent par ailleurs à tous leurs fidèles de pratiquer l'occultisme sous quelle forme que ce soit. De nos jours, nous pouvons donc considérer que le démon est bien plus souvent présent au cinéma ou encore dans la culture populaire. Concernant mon intérêt pour cette étude, il fait suite à des circonstances et des événements personnels qui m'ont poussé à rechercher comment ces créatures célestes qui arboraient autrefois de la bonté en leur cœur ont pu se rebeller et déclencher un conflit spirituel qui aura pour conséquence la mort et la damnation de l'âme humaine. Depuis plus de 2 ans maintenant, cet intérêt est devenu une passion dans laquelle je découvre quotidiennement de nouvelles informations. J'ai donc pour objectif personnel d'étudier ces entités, principalement au travers de certaines de leurs manifestations paranormales, et de tenter de dévoiler son rôle derrière certains événements qui se produisent dans le monde qui nous entoure. Cependant, il faut absolument savoir qu'un démonologue n'a en aucun cas le pouvoir de conjurer le mal ou d'absoudre l'influence démoniaque. Il peut en revanche agir dans sa foi, en usant de prières de délivrance et en complément d'objets sacramentaux tels que de l'eau bénite, un crucifix ou bien divers objets consacrés. Il peut également intervenir au sein de diverses institutions religieuses pour assister les théologiens dans leurs recherches ou permettre par exemple l'identification d'une entité plus spécifiquement derrière certains phénomènes constatés ou lors de leurs investigations. Mes principaux outils de travaux sont des documentaires, des recueils ou des ouvrages, des témoignages et des manuscrits, des différents traités, ou bien des archives historiques ou encore sur des sites internet. Il faut également comprendre qu'il est recommandé d'avoir des connaissances avancées en théologie religieuse et une certaine ouverture d'esprit pour arriver à discerner plus facilement toute manifestation potentielle. Pour ma part, je suis également étudiant en théologie religieuse au travers d'un institut privé présent sur internet, mais gratuit et accessible à tout le monde. Présent sur la toile depuis des années, l'Institut Docteur Angélique propose des enseignements sur la théologie catholique et mystique, mais également sur la philosophie
et les œuvres de saint Thomas d'Aquin. Son principal fondateur et recteur est également titulaire d'une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver tous ses enseignements. Tous les liens seront également disponibles comme d'habitude dans le descriptif de cette vidéo. Parallèlement à la démonologie, les différentes institutions religieuses ont fondé des domaines qui étudient quant à eux les êtres célestes que nous appelons communément les anges. Cette discipline se nomme l'angéologie. Tout comme dans le royaume céleste, les ordres sont divisés en hiérarchies, ou comme le Christ ayant établi son ministère lors de son passage sur terre, il faut savoir que les démons sont eux aussi divisés en différentes légions et que chaque démon a son propre rôle, son propre titre au sein des hiérarchies infernales et ses propres pouvoirs et attributs. Ils sont extrêmement intelligents mais révoltés et n'hésitent donc pas à user de diverses ruses pour tromper et égarer les hommes. Au fil des recherches, l'Église a pu constater que le démon agit principalement sous trois formes d'influence, ce qui nous permet de discerner leur action plus facilement. La première forme d'influence est la plus connue de toutes, la tentation. La seconde forme d'influence s'appelle l'oppression. Elle se manifeste généralement par des apparitions extérieures, des songes ou des cauchemars par exemple. Cependant, des phénomènes beaucoup plus symboliques tels que des odeurs particulières ou encore des signes antitrinitaires et blasphématoires sont souvent rapportés lors d'oppressions démoniaques. La troisième forme est quant à elle la plus impressionnante et la plus malsaine que l'on puisse vivre puisqu'il s'agit de la très célèbre possession démoniaque. Elle est l'ultime manifestation d'un démon en raison de la dangerosité de celle-ci. Une personne possédée par un démon ne peut être libérée que par le grand rituel de l'exorcisme qu'un exorciste est autorisé à pratiquer. Seul un évêque habilité à déléguer ce pouvoir à un prêtre diocésien peut désigner un exorciste pour conjurer le mal. L'exorcisme est un rituel de l'Église catholique romaine qui consiste à invoquer les saints et les êtres célestes afin de libérer le possédé de toute emprise du démon. En conclusion, le rôle du démonologue est donc d'identifier et d'établir une hiérarchie structurée et détaillée des démons, mais également d'essayer de discerner leurs pouvoirs, leurs attributs, leurs fonctions et leur manière d'opérer dans le monde. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, un commentaire pour me laisser vos impressions ou en vous abonnant à la chaîne pour me soutenir. Sans oublier d'activer la petite cloche des notifications pour être tenu informé des futures publications. En attendant, n'oubliez pas que le démon est tapi dans l'ombre, alors soyez vigilants et puisse l'Éternel vous bénir, mes chers frères et sœurs.